Bonjour à tous, je viens à travers cette vidéo pour vous donner rendez-vous. Un rendez-vous, ce sera peut-être un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, ça dépendra de l'actualité People. Vous donner rendez-vous à travers des directs live Facebook afin de décrypter l'actualité People. Nous avons eu à interagir sur certains sujets et nous avons vu que ce sont des vidéos qui vous ont plu. Ces interactions-là vous ont eu beaucoup de succès. Et vous avez dû voir un peu, depuis le 1er juillet 2023, la Côte d'Ivoire a une nouvelle Miss. Nous allons parler de ce sujet avec, pour inviter Herman Abois. Et toujours avec Herman Abois, nous allons rendre un vibrant hommage à Awa Ehura qui nous a quittés malheureusement il y a quelques jours. Awa Ehura était journaliste ivoirienne, présentatrice du journal télévisé sur la chaîne nationale. Nous allons parler de son parcours et surtout de ce silence coupable depuis son décès. Comment est-ce que cette actualité a été traitée et dans quel état elle était? De quoi souffrait-elle? On sait qu'il y a 10 ans en arrière, elle faisait une crise de diabète. Et pour preuve, en son temps, lorsque nous dirigions le magazine Select Magazine, nous lui avions rendu visite, du moins, dans la cour familiale où elle était chez sa mère à la Riviera Umputo. Nous allons donc parler de cette journaliste émérite qui nous a quittés malheureusement. Nous allons aussi parler du décès de Francis Baudier, ancien président du Conseil constitutionnel. Et pour ce faire, nous aurons pour invité le docteur Agobli qui va venir nous étayer. Il est professeur de sociologie. Et dans toute cette floraison aussi, il y a des notes assez guères tout de même. On parle d'excellence, surtout avec le challenge lancé par le grand frère John Jay pour soutenir ou encore encourager les jeunes brevetés, les jeunes admis au BEPC et qui sont d'excellents élèves qu'on doit soutenir. C'est pour lui une manière en tout cas de célébrer l'excellence parce que malheureusement, on voit que ces temps-ci, c'est la médiocrité qui a cours. Et là, avec ce challenge, il sera notre invité. Et ce sujet, surtout, qui est sur toutes les lèvres depuis quelques mois, depuis des semaines, nous allons vous donner des informations exclusives. Après justement l'annonce du programme de ses obsèques, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Si vous nous suivez sur ce direct, donc sous le coup de 17h GMT, 19h en France, nous allons vous donner les dernières informations, en tout cas les informations qui n'ont pas été révélées par rapport aux obsèques de Bob Lee. Et l'exclusivité, c'est ce document aussi que prépare ActuPeople.net. Après avoir interviewé sa grande cousine Adabou et son époux, nous avons décidé à nouveau de vous produire un document exclusif. Un document exclusif sur les traces de Bob Lee dans la ville de Divo, dans la cour familiale, dans la cour du chef. Il y a beaucoup d'informations à vous donner. Donc on vous donne rendez-vous sous le coup de 17h GMT, 19h. 00 sur la chaîne YouTube ActuPeople.net et sur la page Facebook ActuPeople.net.directlive avec beaucoup d'invités. Et la petite surprise, c'est la visite que nous rend le président des journalistes ivoiriens en France, Jean-Paul Auro, qui lui aussi pourra intervenir lors de ce direct. On a vu aussi avec qu'on appelle ça la mascotte de la CAN. On voit aussi qu'il y a une chanson qui est enregistrée avec le groupe Magic System, Aquaba. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire pourquoi est-ce que cette chanson n'aurait pas dû être enregistrée avec plusieurs artistes ivoiriens et que c'est le groupe Magic System celui qui a été choisi. On aura aussi le point de vue de nos invités. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est un rendez-vous certainement auquel il faudrait que vous vous habituiez. Nous allons comme ça chaque fois, après une semaine, deux semaines, selon la densité de l'actualité People, intervenir sur certains sujets avec des invités qui viendront étayer les lanternes. Je pense qu'il faut que nous prenions toute notre place sur les réseaux sociaux afin de pouvoir décrypter, décortiquer l'actualité. Et puis bah voilà. Moi c'est Guillaume Vergès, c'est moi qui vais conduire donc tous ces différents entretiens avec mes invités. Donc partagez, soyez là, c'est le principe sur les réseaux sociaux, il faut partager pour qu'on ait une grosse communauté à nous suivre. Donc il faut partager, il faut prévenir vos amis. On vous dit donc 17h00. Donc quand on dit 17h, c'est 17h. 17h GMT,
lorsqu'on va démarrer, on va faire l'introduction et toutes les informations qu'il faudra vous donner, que ce soit sur les obsèques de Bob Lee, les informations inédites. Je vais vous donner un aperçu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent les preuves comme quoi est-ce qu'il est vraiment décédé. Et je vais vous donner une information exclusive aujourd'hui par rapport à la personne qui a reconnu son corps. Quand je vous dis la personne qui a reconnu son corps, c'est une information exclusive parce qu'on se dit non, personne n'a vu son corps. Comment ça se fait? Il y a une polémique qui enfle. Malheureusement, c'est vrai qu'on est dans le déni. Et je pense que quelque part, comme me disait un ami, Bob Lee était le reflet de beaucoup de personnes tout de même. Les personnes se reconnaissaient en lui, mais ces personnes ne voulaient pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'il y a ce déni aujourd'hui. On l'a vu un peu avec le décès de DJ Arafat. Ses fans ne voulaient pas croire en sa disparition. Malheureusement, ce garçon nous a quittés depuis le 12 août 2019. Cela va faire aujourd'hui pratiquement 4 ans qu'il n'est plus de ce monde. Malheureusement, Bob Lee, il est décédé. Ça, ce n'est pas une information sur laquelle il faut revenir. Mais on veut vous donner d'autres informations par rapport à ses obsèques. Et puis, n'oubliez pas, le 9 août 2023, actupeople.net à 4 ans. Nous allons faire un rebranding. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle charte graphique, sur un nouveau visuel, sur pas mal de choses. Et la révélation, ce sera le 9 août 2023. En tout cas, merci pour la force. Merci. On vous donne rendez-vous donc pratiquement dans une heure et demie, sur la page Facebook actupeople.net.directlive avec des invités. John Thier, Dr Agoubli, Herman Aboua, et puis invité spécial, Jean-Paul Auro, président des journalistes ivoiriens vivant en France. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure sur la page Facebook actupeople.net.